Nathalie et Arnaud ressemblent à n'importe quel touriste, mais ils n'ont pas de billet retour. Super temps. Ah, ça fait du bien. C'est Toronto, ça? Ouais, faut croire que c'est Toronto. On espère avoir l'autre côté de la médaille bientôt, parce que là, c'est vraiment... Au Canada, ils ont décidé de jouer leur avenir. À 28 et 31 ans, ils ont tout quitté. Leur famille, leur appartement de Strasbourg, pour tenter l'aventure à Toronto. Ouais, c'est très accueillant, quand ça veut. Voilà, du coup, il a arrêté de pleuvoir, je crois. Le couple peut enfin découvrir le centre-ville. Waouh ! Ici, le vert et le béton des gratte-ciels côtoient l'ancienne mairie victorienne. Tu vas faire des photos ? Ouais. Attends, arrête de bouger. Tu arrives ? T'es con. Oh, que d'amour. Arnaud a quitté un job dans la communication, Nathalie son poste dans la finance. Ils ont obtenu un permis vacances-travail réservé aux Français de moins de 35 ans. Un visa qui va leur permettre, comme son nom l'indique, de travailler à Toronto. On voulait une destination assez lointaine. Enfin, le Canada, ça nous plaisait bien. On était déjà allés à Montréal, c'était sympa, mais notre but, c'est vraiment d'apprendre l'anglais, d'améliorer notre anglais. Moi, j'avais mon petit train-train, j'étais bien, on avait les copains, l'appartement. Et en fait, c'est Nathalie qui avait beaucoup plus besoin d'évasion, et j'ai dit, je te suis, mais tu t'occupes de tout. Finalement, t'es content que je t'ai poussé un petit peu. À 6000 km de Paris, Toronto. C'est la plus grande ville du Canada, avec 6 millions d'habitants. Située au bord du lac Ontario, elle a des faux airs de New York, sa voisine américaine. Avec son quartier des affaires, deuxième place financière d'Amérique du Nord, ses rues branchées, cool et bobo, son port et ses plages non loin du centre, elle a la réputation d'être l'une des villes les plus agréables à vivre au monde. Le célèbre rappeur Drake, le plus gros vendeur de disques de la planète, est originaire de Toronto et en est aussi l'un des meilleurs ambassadeurs. Toronto attire aussi de nombreux touristes en quête de sensations fortes qui peuvent visiter à 1h30 de là la 8e merveille du monde, les chutes du Niagara. La ville attire chaque année 80 000 personnes venues du monde entier. Un Torontois sur deux n'est pas originaire du Canada. Parmi eux, près de 10 000 Français venus tenter leur chance dans la ville de tous les possibles. Estelle Loza, 40 ans, vit dans ce quartier résidentiel de Toronto depuis 4 ans. En rentrant du travail, cette ancienne Parisienne ne déroge pourtant jamais à une tradition bien française. I will have a baguette as well. On a tout vendu, désolé. Oh no! Okay, so I will take the pain de campagne. On peut pas s'en passer. On est français. La baguette, moi j'y tiens. J'ai besoin du pain tous les jours. Maman! Papa est rentré? Oui. Ok. Tu vas jouer encore un peu, toi? Pas trop loin, hein, Eléa. Bonsoir. Ça va? Ça va, toi? Ouais, ça va. J'avais plus de baguettes. Oh non. Si. Dégoûté, j'ai pris du pain de campagne. Avec Charles, son mari, ils sont encore très attachés à la France. Même s'ils se sont rapidement adaptés aux coutumes canadiennes. Quand j'ai quitté Paris, j'ai eu un cadeau de départ de mon entreprise, qui est le kit du Canadien. Parce que les Canadiens adorent le barbecue. Et ils m'ont dit, si tu vas là-bas, il te faut le kit du barbecue. Une bonne côte de bœuf de l'Ontario. On mange dehors ? Oui. Charles a eu une opportunité de travail à Toronto et toute la petite famille a suivi. On n'est pas bien là, dans notre jardin ? Oui.
Eléa, 10 ans, et Henri, 8 ans, ont passé la moitié de leur vie à Toronto et n'ont aucune envie de rentrer en France. Pourquoi t'aimes pas Paris? Car c'est nul là-bas. Pourquoi c'est nul? Quand même. Parce que t'as pas de jardin si tu vis dans un appartement. Quand tu dors, tu entends... Nous, ce qui nous a attirés au Canada, c'est vraiment le modèle mixte entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Ça nous offrit les mêmes opportunités de travail et puis le fait que nos enfants puissent parler anglais, comme aux États-Unis, mais sans, si tu veux, tout le côté arme à feu, peine de mort, donc vraiment avec des bonnes valeurs au Canada. Je te chante mon drapeau. Leur fille connaît même par cœur l'hymne du drapeau, la chanson des Français de la province. Je suis franco-ontarien. Aujourd'hui et demain. Et comment elle était cette côte de bœuf? Délicieuse. J'en aurais bien mangé une autre en fait. Allez, c'est parti Henri. Le lendemain matin, Charles accompagne les enfants à pied au bus scolaire, malgré la météo. C'est pas tous les jours comme ça, heureusement. Love ya. Et bisous toi, bon coquin. Pour le père de famille, en revanche, fini les transports en commun. À Paris, il se déplaçait en métro. Aujourd'hui, il se rend au travail au volant de sa belle voiture de sport. C'est un plaisir tous les matins de pas prendre le métro, mais de prendre son bolide. Ouais, c'est un petit plaisir, ouais. Quand on travaille bien, qu'on travaille fort, c'est le petit plaisir. C'est toujours agréable. Ici, il a connu une ascension fulgurante. Il travaille dans les hautes sphères d'un des plus grands cabinets d'audit mondial. Hello. Bonjour, hi. Charles. Yes, make-up first. Exceptionnellement, Charles commence sa journée par une séance de maquillage. Alors, ça va être super simple, on va vous enlever un petit peu les rougeurs. Like a movie star, hein? You are a movie star. Vous êtes la star de l'entreprise. De simple salarié, il vient d'être nommé associé. Il fait maintenant partie des dirigeants et est intéressé aux résultats de l'entreprise. We would have you... Asseyez-vous là, nice détendu, comme ça. La société a fait appel à un photographe professionnel pour tirer le plus beau portrait de ce nouveau patron. Respirez un grand coup pour vous détendre. Mettez la tête à droite. Non, c'est un peu trop là. Super, super. Allez, Charles, encore un peu. Mais le petit Frenchie n'est pas encore très à l'aise dans cet exercice. Pas trop, hein? C'est vrai que je... Je sais pas, il m'a dit de me mettre comme ça, j'obéis, mais... Ça va être fantastique. Nous voulons qu'il ait l'air accessible, comme si c'était un mec vraiment sympa avec qui les gens ont envie de travailler. Ça doit rendre ça, parce que on sait que parfois, il ne sera peut-être pas si sympa que ça. Charles travaille dans ce groupe depuis 15 ans. Il est passé par les bureaux de Paris, New York et Londres. Il y a 4 ans, on l'a envoyé à Toronto pour créer un nouveau service en fusion-acquisition. Un poste encore inexistant dans sa firme au Canada. Charles a rapidement atteint ses objectifs. Et c'est comme ça qu'il a décroché le Graal, le statut d'associé. Je pense qu'en France, ça aurait mis un peu plus de temps. En France, c'est peut-être un peu plus politique. Si vous faites vos preuves, il n'y a pas de questions à avoir. La promotion, elle est pour vous, quoi. Dans quelques mois, il aura même droit à son propre bureau de chef. Comme Charles, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir vivre le rêve torontois. Mais la ville n'était pas préparée à un tel afflux et manque de logements. Alors on y construit à tour de bras. Et l'immobilier flambe, plus 30% en un an. Les prix sont aujourd'hui presque comparables à ceux de Paris. Pour Arnaud et Nathalie, le jeune couple arrivé il y a une semaine, la recherche de logements risque donc d'être un peu tendue. Ils ont repéré une petite annonce dans le quartier résidentiel de Little Italy.
plus il fait beau, c'est bien pour se projeter. Les propriétaires de ces maisons, situées à 20 minutes du centre-ville, louent souvent leur basement. Je pense que c'est là. Des appartements en sous-sol, typiques de Toronto. Ça doit être là, oui, parce qu'à mon avis, le basement, c'est en bas. Hi. Ici, vous avez la pièce principale, la pièce de vie, et il y a une cuisine et une salle de bain sur la gauche, là-bas. L'appartement a été rénové. Il est grand, 80 mètres carrés, mais il lui manque un élément essentiel. Les fenêtres, elles sont ouvertes. There is just one window. Yes, just. Oui, il n'y a que cette fenêtre, mais c'est aux normes incendie. S'il y a le feu ou quoi que ce soit, la fenêtre est amovible et vous pouvez vous échapper par là. La seule fenêtre, je crois. Ça vous fait pas peur, ça ? Si, moi, honnêtement, ça me refroidit un petit peu. Déjà, l'hiver, il n'y a pas de soleil, on nous a dit. Donc, là, sans lumière toute la journée, toute l'année, c'est pas possible. Ouais. Ce F2 bas de plafond et avec une minuscule fenêtre est loué tout de même 930 euros par mois. Le jeune couple en perd un peu son anglais. Thank you for your time. You're welcome. You're welcome. Je sais pas comment on dit. well, you welcomed us. Oh yeah. Very. Ah oui, pas de problème. Very nice. De rien, merci. Heureux de vous avoir rencontrés tous les deux. Merci. Nathalie et Arnaud sont polis, mais ils ne veulent vraiment pas vivre à la cave et vont poursuivre leur visite dans les prochains jours. Car ce soir, ils ont un autre programme. Les Français, comme toute la ville, partent au match des Blue Jays, l'équipe de baseball mythique de Toronto. Rogers Center. Ah, okay, we're going right there. Oui, on y va nous aussi. Vous allez au match des Blue Jays? Vous n'avez qu'à nous suivre. Vous venez d'où? Québec, Montréal? France. De France? Ouais, sans blague. No way. Welcome. Bienvenue. This is real French. On a des vrais Français parmi nous. Les gens sont vraiment super sympas de prime abord. Tout de suite, on est meilleurs, on est des potes. On se tape dans la main, on est tactile, pas de problème. Ça change un petit peu de, du parisien qui fait la tronche quand il prend son métro. On est arrivé, je crois. Le stade, c'est cet impressionnant dôme blanc au pied de la CN Tower. L'un des temples de Toronto, qui se distingue aussi au basket ou au hockey sur glace. Bref, pour apprivoiser cette ville, Arnaud et Nathalie ont bien compris qu'il fallait se mettre aux couleurs de l'équipe. La seule chose qui nous manque, c'est le t-shirt. Ouais, casquette, tout le monde là, sauf nous. Ouais. Hot dog, service sur un plateau. Okay. Et avant l'effort, le réconfort de la gastronomie locale. Deux hot dogs? Yes. Yeah. Okay, one hot dog. Thank you. C'est rien. Ma petite touche française, hein. De l'oignon, surtout de l'oignon. Allez. La première hot dog. Santé. ouais, à base. What do you want on yours? C'est fantastique. Ça vaut pas un bœuf bourguignon, mais bon. Ça, ça se mange. Ce soir-là, dans ce stade de 50 000 places, les Blue Jays de Toronto affrontent les Reds de Cincinnati. Arnaud a fait du baseball au collège, mais c'est un peu loin. Il n'y a plus trop de règles, a priori. Je sais qu'il faut courir autour des bases en dégommant la balle le plus loin possible, mais après, c'est pas ça à revenir. Première belle action des Torontois. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Je sais pas. Au final,
Toronto, la Canadienne, l'emporte largement face à Cincinnati, 17 à 2. Dans le match qui l'oppose aux grandes villes américaines, Toronto marque aussi des points grâce à un site touristique sans égal. De l'autre côté du lac Ontario, à moins d'une heure et demie du centre-ville, les chutes du Niagara. C'est la 8e merveille du monde. Ce fer à cheval s'est formé il y a 10 000 ans avec la fonte des glaciers. Chaque année, 20 millions de touristes viennent le visiter. Les plus mordus peuvent même s'offrir la vue en hélicoptère. Ce jour-là, les chanceux Guy, Sandrine et Daniel viennent de Corrèze. J'espère que vous avez un bon moment, ok ? Oui, on y va ? Oui. Ok. Surprise, le pilote parle un peu français. René a quitté les Alpes suisses pour le Canada il y a 14 ans. Propriétaire d'une partie de la compagnie d'hélicoptères, il fait voler 100 000 touristes par an au-dessus des chutes du Niagara. En fait, c'est votre bureau ici. Oui, ça c'est my office, oui. Très, très joli ici, hein. For some people, the sky is the limit. For us, it's home, yeah. A lot of people pay money for this, I get paid. Les 10 minutes de vol coûtent une centaine d'euros, mais la carte postale, vue du ciel, n'a pas de prix pour ces touristes. Les touristes qui n'ont pas les moyens de s'offrir l'hélicoptère vivent l'aventure sur l'eau. Les bateaux les emmènent presque au pied des chutes pour une douche mémorable. 2,5 millions de litres d'eau par seconde, forcément, ça rafraîchit. Théo, Chouadibou et Walid, trois copains de la région parisienne, immortalisent le moment sur leur téléphone. À tous les pas, je vous retrouve après la tempête. Là, je ressens l'humidité. Non, franchement, on sent libre. On sent vraiment libre. Il y a trop de débit, là. Le tour en bateau coûte 20 euros et ne dure que 20 minutes. Ça y est, c'est fini. On rentre au bercail. C'est fini. Vamos. Mais tous les Français ne viennent pas à Toronto pour jouer les touristes. Certains ont débarqué ici avec la volonté de créer leur entreprise et conquérir le palais des Canadiens. C'est le cas de Nadège Nourian, 40 ans. Oh, mais sous la pluie. Il est 3h du matin et sa journée marathon commence. Nadège est chef pâtissière. Avec sa brigade, il faut sortir 1000 gâteaux en 4 heures. Ici, on prépare des pâtisseries à la française. Des mousses au miel et au citron. Des desserts au chocolat. Des macarons de toutes les couleurs. Et pour encore plus séduire les Canadiens, elle a même revisité une spécialité locale. Donc ça, on l'appelle le donut. C'était vraiment pour jouer sur la tradition ici, ils sont fans de donut. Et donc nous, on ne fait pas du tout genre de pâtisserie. Donc là, c'est vraiment le petit entremets à la française sous forme sympa comme ça. Tous ces desserts sont des créations de Nadège. Okay. And then you have to have one more. Okay? La pâtissière lyonnaise a monté son entreprise en venant s'installer à Toronto il y a 8 ans. C'est dans le quartier de Queen West, l'un des plus branchés de la ville, que Nadège ouvre sa première boutique. Un salon de thé où elle propose ses pâtisseries. La cliente suivante, s'il vous plaît. Mais aussi des sandwichs et des cafés. It's a balance of life.
Si elle a choisi de monter un business ici, c'est au départ par amour. Elle rencontre en Angleterre son mari Morgan en 2004. A lot of new people today. Lui est originaire de Toronto. Nadège, qui a toujours été employée, rêve de monter sa propre entreprise. On avait en tête une grosse affaire et créer une marque. Pourquoi ? Un rêve d'enfant. On s'est dit, ça pourrait être en Grande-Bretagne, en France ou au Canada. On a regardé les différentes options, on a pesé le pour et le contre. Londres, c'était cher. À Paris, le marché était saturé. Alors on a décidé de venir à Toronto. C'était le bon moment pour se lancer. Le Canada est aussi l'un des pays les plus favorables à ceux qui veulent créer leur entreprise. C'est possible en quelques minutes sur Internet. Et l'impôt sur les sociétés est deux fois moins élevé qu'en France. Alors en 2009, ils se lancent, trouvent ce local et font les travaux eux-mêmes. Cette photo, c'était ça avant. Pour monter un business, c'est beaucoup plus facile. Ça demande moins d'apport, il y a moins de taxes. Donc si vous avez une affaire qui tourne bien, il est plus facile de réinvestir en fait. Nadège et Morgan possèdent aujourd'hui 4 boutiques comme celle-ci et emploient une centaine de salariés. Bonjour. Mais ce n'est pas toujours simple de les fidéliser. Hi Anna. Chaque semaine, how are you? Elle fait le point avec sa responsable des ressources humaines. So, tell me. Le recrutement continue, les gens qu'on a rencontrés sont bons, mais pas assez pour nous. We need to replace Packer, she's leaving. The kitchen have people, some people leaving. We're gonna be in a tight position again in the next week or so. C'est moins strict, c'est-à-dire si on n'est pas satisfait de quelqu'un, c'est plus facile de le licencier qu'en France. Donc on se pose peut-être moins de questions. Mais en revanche, aussi l'employé est beaucoup plus libre. Donc en fait, il y a un turnover. Aussi, il y a moins de chômage. Donc les gens, en disant « Ok, je démissionne de tel emploi », ils savent que demain, ils vont retrouver un employeur. Alors quand un problème survient avec un employé, il faut parfois faire preuve de diplomatie. Comme aujourd'hui, dans l'un de leurs plus gros magasins. Morgan et Nadège ont un problème technique. La climatisation fonctionne mal, endommage les macarons, et la responsable n'a rien remarqué. Là, il a pris l'humidité. Hein. On voit une différence de couleur. Et ça passe pas. Il faut absolument pas qu'elle me vende ça. Ils vont croire que c'est la norme, en fait. Et c'est là le problème. You have to check on that. We can't sell that. OK. You know what I mean? Like, you have to check yourself for the things. Malgré sa contrariété, Nadège pèse ses mots. Non. Au Canada, on peut pas engueuler. Il faut être très diplomate avec le personnel, plus qu'ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'autrement, ils restent pas ou ils le prennent super mal, etc. Donc on a beaucoup de cours de management ici. Hein. Au Canada comme ailleurs, gérer une entreprise est un sport à plein temps. Malgré ces petits couacs, la boutique ne désemplit pas et les clients semblent conquis. How are you? C'est vous, Nadège? Yes, oh my God! Oh mon Dieu! Congratulations. Félicitations. Je rêve de Nadège. Je rêve de toutes ces choses délicieuses. Je suis contente de ne pas habiter trop près, sinon je serais là tous les jours. Et ce serait un problème? Ah oui. Diet problem, maybe. You have to face it, you know. Nadège et Morgan, eux, ne comptent pas être raisonnables. Dans quelques semaines, ils vont ouvrir une autre boutique dans l'est de la ville. Un projet qui devrait leur permettre de dépasser les 5 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici la fin de l'année. En suivant son mari Charles à Toronto, Estelle a dû totalement changer de vie. Aujourd'hui,
Elle est institutrice dans une école primaire. Et quand elle entre dans sa classe, elle adopte le style canadien. Quand j'arrive, j'enlève mes chaussures. Parce qu'ici, il y a des chaussures d'intérieur. Alors, ça doit être, au départ, c'était sûrement à cause de la neige. Mais c'est tous les élèves changent leurs chaussures le matin. Et quand ils vont à la récréation, ils changent à nouveau leurs chaussures. Estelle ne joue pas au Lego, mais prépare un cours de mathématiques appliquées. Une activité bien éloignée de son ancien travail en France. C'est sûr que jouer au Lego, c'est pas ce que je faisais dans ma vie d'avant, non. C'est très différent. Mais avant, j'étais avocate fiscaliste. Donc, je gérais des dossiers, j'avais des rendez-vous avec des personnes en costume, je parlais de taxes, de TVA, d'impôts sur les sociétés. Donc, c'est vrai que ça me change complètement d'environnement, mais celui-ci, je ne le changerais pour rien au monde. Avec son diplôme français, elle ne pouvait pas exercer ici. Elle aurait dû tout recommencer à zéro et repasser le barreau. Estelle a préféré retourner à l'université pour 2 ans et obtenir son diplôme d'enseignante. Je pense que c'est sûr que quand tu pars dans un nouveau pays, il ne faut pas te dire « je vais faire exactement la même chose, je vais être exactement dans le même environnement ». Sinon, pourquoi tu pars ? Toronto est une ville majoritairement anglophone. Seuls 3% des habitants parlent français. Et quelques écoles publiques dispensent un enseignement dans cette langue. Main sur la rampe. Comme ici. Il y a 6 équipes, c'est bon, on va commencer le jeu. Ce matin, Estelle anime un atelier avec un petit groupe d'élèves. On y va. 1, 2, 3. Les régions polaires. Les deuxièmes années, l'équivalent des CE1, ont mis au point eux-mêmes un quiz auquel leurs camarades doivent répondre. Quel continent est le plus froid et le plus sec ? L'Antarctique, l'Asie ou l'Afrique ? Antarctique ! Quelle région entoure les pôles de la Terre ? L'orthographe est parfois approximatif, mais Estelle ne les corrige pas tout de suite. De quelle couleur le petit Beluga naît-il ? Oh. C'est qui a écrit ça ? Qu'est-ce qui serait intéressant de faire ? Peut-être. Pour ces élèves qui parlent principalement anglais à la maison, le français est parfois même inventif. Est-ce que tu comprends la question ? Qu'est-ce que le région polaire vieux ? Est-ce que vous avez compris la question ? Pas vraiment, hein, Maureen ? Mince ! C'est très bien de l'avoir écrit déjà. C'est très très bien, Maureen, bravo ! C'est pas grave, c'est bien, les filles. On va refaire. La réaction d'Estelle peut sembler surprenante, mais ici, cela fait partie de la pédagogie positive. On pense ici que plus tu échoues, et c'est ça le chemin vers la réussite. En fait, il y a une citation de Churchill qui dit « Je vais d'échec en échec, mais en gardant mon enthousiasme, et c'est ça la réussite ». Et c'est vrai, plus tu te plantes, plus tu te trompes, et plus tu sauras comment corriger tes erreurs. L'important, c'est pas forcément d'avoir le meilleur français possible. On est dans une communauté francophone minoritaire. C'est vraiment déjà de pouvoir s'exprimer en français, de se faire comprendre en français. Tu sais, si tous les Français de France parlaient aussi bien l'anglais que mes élèves à leur âge, ok. Je pense que là, on pourrait discuter. Comme Estelle, tous les professeurs de cette école parlent français. C'est une obligation pour y travailler. Ah, ça y est, c'est la fin de la journée. Ça va ? Ah, ouais. C'est passé ? Non, mais c'est bon. Brenda, la directrice, est souvent confrontée à des parents exigeants. C'est très, très bien passé. Les parents qui viennent inscrire leurs enfants à l'école souvent vont me demander « Est-ce que vous enseignez le bon français ?» Et je dis « Oui, on enseigne en français, donc... » Et ils essaient de comparer le français parisien, pas seulement de la France, mais le français parisien au français québécois. Et j'aurais dit, la plupart du personnel viennent de partout dans le monde. Alors, on n'a pas un français typique. On parle le français, qui est le bon français, peu importe où on se retrouve, et puis avec nos différents accents. Moi, je suis née au Gabon. Je suis née à Kinshasa. Et vous ? Montpellier. Original ! Toutes ont aujourd'hui la nationalité canadienne. Une situation très fréquente à Toronto, la cosmopolite. Dans les rues, on parle près de 150 langues. Une 60aine de nationalités cohabitent. L'un de ces immigrés profite aujourd'hui de l'une des plus belles vues sur la CN Tower. Il s'appelle Charles Cabousse, il est né au Liban,
et il est aujourd'hui l'un des rois de Toronto, même s'il joue les modestes. Pas de titre. J'aime déjà pas qu'on m'appelle Monsieur Caboose, vous savez. C'est toujours Charles pour les serveurs et les gens avec qui je travaille. À 56 ans, il est à la tête d'un empire. Petit génie du divertissement, il a créé des boîtes de nuit, bars et restaurants parmi les plus populaires de la ville. Aujourd'hui, son revenu annuel dépasse les 40 millions d'euros. Son plus modeste pied-à-terre, c'est ce loft de 180 mètres carrés. C'est un petit appartement, mais rempli des œuvres d'art que je préfère et que j'ai glanées partout dans le monde. Là, j'ai acheté un petit croquis de Karl Lagerfeld quand j'étais à Paris. Je l'aime beaucoup. Ce collectionneur multimillionnaire a fui son pays pendant la guerre civile de 1975. Il est arrivé à 15 ans à Toronto avec 80 euros en poche. Il a d'abord travaillé dans un fast-food, puis vendu sa voiture pour ouvrir sa première boîte de nuit à 22 ans. Et le succès est venu très vite. Il est maintenant l'ami des stars, Paris Hilton, Sting ou encore Justin Bieber. Une réussite qu'il attribue à cette ville en particulier. Pour moi, ça n'a jamais été un problème d'être un immigré. Cette ville a été bonne avec moi. Les opportunités sont les mêmes pour tous. C'est vraiment incroyable. Ici, je me sens à la maison. S'il est ici chez lui, c'est aussi parce qu'il possède 22 établissements à Toronto. Bienvenue au West Lodge. Il emploie 2000 personnes au total. On lance la salade de bœuf, s'il vous plaît. Comment ça se passe ce soir? Il y a du monde, beaucoup de monde. Deux salades à la pomme, s'il te plaît, pour la 101. Quelle est votre recette du succès? Hard work. Travailler dur. And taking chances. Tenter sa chance. Repousser les limites. Et ne pas faire la même chose que tout le monde. Charles a surtout compris qu'il fallait séduire toutes les clientèles. Après un resto Tex-Mex, un italien de luxe ou un chinois chic, l'entrepreneur boulimique a ouvert à Toronto un bistrot à la française. Ici, c'est comme à Paris. Hi. Salut. On a une belle verrière, de la mosaïque magnifique. Dans sa brasserie, tout est faussement frenchy, sauf quelques serveurs bien de chez nous. Ben. So you're calling the real superstar? On essaie de suivre sa voie parce que il vient de loin et puis ça donne un peu d'espoir pour nous de s'en sortir et de peut-être un jour avoir la veste de Charles Caboose, donc ça fait plaisir. Tiens, prends un petit billet de 100 dollars. Tout le monde est fan du grand Charles. Qu'est-ce qui se passe? Même les policiers. Comment allez-vous, monsieur? C'est le roi de King Street. Au début de ma carrière, je travaillais devant sa boîte de nuit. Il portait de belles chaussures Prada. Je lui ai dit, j'adore tes chaussures. Je ne savais pas du tout qui il était. Il m'a regardé de haut. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu connais, toi, le policier? Passez une bonne soirée, profitez de la ville. À minuit, Charles termine la tournée de ses établissements par sa plus grosse boîte de nuit. Comme chaque week-end, le Toronto Sexy semble s'être donné rendez-vous ici. La clientèle, le club, les lumières, l'ambiance. On se croirait à Las Vegas, mais vraiment Vegas. Vous allez kiffer, il faut venir. J'adore être ici. C'est jeune, plein d'énergie. Les gens aiment boire un coup, danser, s'amuser. Moi, ça me permet de rester dans le vent. C'est ce qui me fait tenir. De leur côté, Nathalie et Arnaud sont toujours à la rue. À la recherche en tout cas d'un appartement à long terme et dans leur prix. Ils ont rendez-vous cette fois en plein centre-ville de Toronto, au pied de ce building au décor étonnant.
C'est un appartement canon apparemment. Ouais, c'est assez impressionnant. Donc, après, le building a l'air top, donc on va voir. Ouais. Ça a l'air... En tout cas, ça donne envie. Ça après. Donne envie, ouais. Est-ce qu'eux auront envie de nous? C'est notre histoire. Le couple visite seul. Le propriétaire n'a pas souhaité être filmé. L'appartement est quasiment neuf, tout équipé et très lumineux. On a une sacrée vue. Donc là, sur tous les buildings, de ce côté-là. Ça, Nathalie, tout de suite, ça... Ouais, moi, ça me plaît. Faut pas avoir le vertige, par contre. Hein. Là, on est au 33e étage, quand même. C'est un petit peu l'image qui, enfin moi, qui me fait rêver de Toronto. Alors après, on n'aime pas, mais c'est quand même ces buildings très américains. Voilà, c'est... Moi, c'est un truc qui m'a toujours fasciné, en fait. L'appartement possède peut-être une jolie vue, mais il ne fait qu'une trentaine de mètres carrés pour 1200 euros de loyer. C'est très petit. Très, très petit. C'est plutôt très cher. Donc, je pense qu'on est quand même bien au-dessus des prix du marché. Donc, à réfléchir. Bientôt 10 jours à Toronto et toujours pas de logement. Ils vont peut-être abandonner l'idée de se trouver un appartement rien qu'à eux. Ici, la solution la plus rapide, c'est souvent la colocation. C'est le cas de leur prochaine visite. On va voir ce que ça donne. Salut. Maxence. Salut. Arnaud. Enchanté. Faut que je veux faire la visite. Ouais. Maxence, 30 ans, est aussi français. Bonne cuisine, tout équipé. Il partage sa cuisine, mais bonne nouvelle, la chambre à louer est au deuxième étage de la maison, presque indépendante. Quand même pas mal de pièces, moi je vais me perdre ici. Ça c'est grand, pour Toronto c'est assez grand. Et là c'est la chambre. Ok. Et cool. En plus vous avez... C'est lumineux et tout. Ça c'est le petit plus. Ouais, grave. Parfait pour l'été. Ah ouais. Je laisse regarder. Je me vois déjà en train de faire des burgers. Ouais, mais... Nathalie et Arnaud sont séduits. Seul problème, la chambre n'est allouée que pour 3 semaines, 500 euros. Le temps des vacances de Maxence. Il vivrait alors avec Idriss, l'autre colocataire, qui, comme eux, est de Strasbourg. D'accord. Là, vous êtes en Airbnb, c'est ça? Ouais. Et en fait, on se coupe un bras tous les jours. Non, mais... C'est une bonne affaire ici, tu sais. Maxence a débarqué il y a 3 ans à Toronto et il a connu les mêmes galères de logement. Vous, Maxence, vous allez louer votre chambre à des gens qui n'ont pas encore de travail? On s'entraîne entre Français. Non, mais j'ai confiance. Ils ont l'air vraiment sympas, ils viennent d'arriver, pleins de bonne volonté. Le petit couple a décroché la chambre. Ils ont obtenu un peu de répit, mais dans quelques temps, il faudra tout recommencer. En tout cas, il y en a un qui profite de ce boom de l'immobilier. C'est Charles Cabousse, le roi de la nuit. Sa nouvelle lubie, ce projet hors norme baptisé Bicha, son surnom en libanais. Le jeune chef de chantier y a investi 84 millions d'euros pour 6 ans de travaux. Ici, il y a 400 appartements, 100 suites d'hôtels, 4 restaurants, un bar, un toit terrasse, tout un style de vie dans un hôtel résidence. L'ouverture est programmée dans 2 mois. Charles vient inspecter les travaux finis, ou presque. Les tests sont faits maintenant? Celui-là est fait ici. C'est la peinture laquée? C'est sec ou en train de sécher? C'est sec. Pourquoi vous mettez ces protections? On met ça à cause des traces de doigts. Voilà ce que ça donne. Ça vous va? C'est bien, mais vous m'enlevez tout ça. Quand est-ce que ça sera fini? Dans une semaine? Ça va le faire. 250 hommes sont mobilisés 7 jours sur 7 pour aménager ces 14 000 mètres carrés. C'est tellement grand... Où est l'ascenseur? Que même le propriétaire s'y perd. Où est l'ascenseur? On est déjà passé devant? Ah, il est là, je suis pas fou. Il reste encore un peu de travail avant que les clients puissent emménager dans ces appartements de standing.
il faut compter 1 million d'euros pour 150 mètres carrés. Tous sont déjà vendus. On va au 44e. Au dernier étage, le clou du spectacle, le toit terrasse et sa piscine, la tête dans les nuages, avec une vue sur la ville à 180 degrés. Si la piscine était remplie, je plongerais. On va mettre des haut-parleurs sous l'eau. On pourra nager et écouter de la musique classique. Ça va être fun. Si Charles a investi autant d'argent dans cette résidence, c'est qu'à Toronto, tous les compteurs sont au vert. La demande est énorme. Et puis, c'est une ville construite sur des fondations extraordinaires. Le système bancaire, les institutions sont très solides. Cette ville, c'est pas de la blague. Des bases solides qui donnent à beaucoup envie de construire un avenir ici. Charles le consultant et Estelle l'institutrice sont bien partis pour rester. Ils ont su tirer avantage de tout ce que la région offre. Dès qu'ils le peuvent, le week-end, les Français se rendent à quelques pas du centre-ville, faire une petite virée dans la nature avec des amis. Au programme, balade dans la forêt de pins. Ah ben voilà, on a retrouvé, c'est super. C'est ce que tu t'imagines quand tu vas au Canada. Santé. Pique-nique avec les traditionnels marshmallows grillés au feu de bois. Juste un peu grillé et un peu mou et un peu craquant. Et pour parfaire la carte postale, un tour en canoë, typiquement canadien. On est parti. Oh là là, il nous double. Il nous double. Non, non, non. Ça, c'est la vraie vie canadienne. Le canoë, la verdure, les enfants, tous en famille en train de ramer. Hein? Tous en famille en train de ramer, regarde, elle rame bien. Toi, tu râles bien comme un Français encore. Hein? La famille compte bientôt demander le visa de résident permanent au Canada.